À tous. Alors aujourd'hui pour ce Ready to Go, nous félicitons notre ami Wilfried pour sa patience et les sous qu'il nous a envoyés. Hein. La patience et les sous, ce sont les deux choses qui sont nécessaires dans un premier temps pour obtenir une voiture de chez les franchises avec un niveau de finition qui est relativement sympathique et dont j'espère notre ami Wilfried saura s'en agrémenter. Voilà, donc compartiment moteur, Alexandre. Donc moteur Ford Small Block 302, donc c'est moteur moderne, c'est un 5-0 comme on l'appelle chez nous, donc moteur avec des poussoirs sur rouleau, donc c'est un peu mieux pour la longévité, donc, c'est moteur neuf, qui est neuf, quoi. Donc après pipe Edelbrock, carbu au lait, allumage conversion électronique, donc on lui met pompe à eau, alternateur neuf, pompe de direction assistée refaite, nouveau radiateur, toutes les durites, et j'en passe, bah, tout est neuf. Moteur intégralement neuf. Donc Wilfried, tu es reparti au moins pour 50 ans. Donc, voilà Wilfried, j'espère que tu as un plan santé qui va te permettre de tenir encore 50 ans pour pouvoir jouir de ton véhicule encore un bon bout de temps. Voilà, donc ça c'était la partie. Alors, tu as aussi installé les petits fog lights. Ouais. Donc, que tu nous as demandé. Boîte de vitesse. Refaite. À neuf. Voilà. Jante. Torque Trust American Racing avec le centre graphite. Les pneus BF Goodrich neuf. Ça, c'est le petit package qui va bien. Donc, tu avais aussi demandé les stickers type GT en bas. Et du point de vue de l'intérieur, tu as un intérieur qui est conforme à l'origine. La couleur est un dark moss green, c'est-à-dire c'était la couleur de 67. Ne pas confondre avec le Highland Green qui est sorti en 68 et qui est connu sous le nom de Bullet Green, mais son vrai nom c'est le Highland Green. Donc là celle-ci c'est dark moss green, donc une très belle couleur qui effectivement quand elle est au soleil pète plus que ça. C'est une très très belle teinte et c'était sa teinte d'origine, donc voilà, c'est une voiture qu'on avait récupérée de son premier propriétaire et elle était bien entendu cuite au soleil, il y avait pas mal de taf dessus, mais on l'a remise au goût du jour. Voilà, donc mise en route. Voilà. Donc ligne Flowmaster. Ah. Wilfried nous a demandé une ligne Flowmaster pour que ça sonne.
auto-là, en plus de la peinture, on a dû changer tout l'accastillage. Tout l'accastillage est neuf, les pare-chocs, tous les chromes, les logos, les baguettes, tout est neuf, les poignées, les rétros, tout l'accastillage en fait, tout a été changé. Bon, c'était vieux. C'était dans son jus. Voilà, donc voilà, ça a été refait. C'est une sono rétro sound. Voilà, avec haut-parleur tableau de bord, haut-parleur plage arrière et kick panel, donc quadriphonique. Voilà. Avec port USB, port jack. Ouais. Donc, pour écouter la musique, tu es opérationnel. Mais avec un bruit comme ça, je doute que ça fonctionne, hein, que tu utilises la radio beaucoup. Hein. Ouais, en tout cas, pas les premiers mois.